Attends, si c'était il y a bien longtemps, comment ça se fait que les mecs ils soient plus évolués que nous maintenant? Non mais commence pas! Non mais attends, les mecs ils ont des technologies de fou, ils voyagent dans l'espace comme moi je vais au supermarché, et ils sont jamais venus nous voir sur Terre! Non, tu vois déjà que l'histoire elle tient pas debout, hein? Non, arrête, je sens que tu vas dire une connerie! À la limite, ils auraient dû dire dans longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, et là déjà ça tenait un petit peu plus debout, c'est un peu plus plausible. Et puis ils te sortent tes épisodes 4, 5, 6, le premier, hein, pour après te sortir 1, 2, 3, et des années plus tard, ils te sortent 7, 8, 9. Bon, mais déjà, tu vois, tu te demandes où il a appris à compter, le gars. Bah, tu vois, on te l'avait dit que réfléchir, c'était pas fait pour toi. Hein. Tu me diras, au 21e siècle, il y en a, ils savent pas combien ça fait, 20-16, alors... Salut, petit noob. J'espère que vous allez bien. Enfin, quelques sorties de jeux intéressantes pour vous refaire des vidéos bugs. Et aujourd'hui, on s'attaque au jeu Lego Star Wars, qui va retracer la saga des Skywalker. Alors, si d'ordinaire, les jeux Lego sont bien réalisés, hein, faut croire que pour celui-là, il y avait un site dans l'équipe de développement. Alors beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu Star Wars ne savent pas ce qu'est un Jedi. Il faut croire que la personne en charge de la programmation n'avait jamais vu un épisode de la saga Star Wars. C'est bon, c'est ça un Jedi? Pas tout à fait, non. Ah ok, du coup là c'est mieux ou pas? Les petits soucis de modélisation, j'en ai trouvé pas mal dans le jeu. Au moment des changements de costume, vos jambes peuvent disparaître complètement. Et vous avez aussi des apparitions inattendues. Écoute-moi bien, jeune Padawan. Vois-tu ce bouton rouge s'abonner? Eh ben, tu vas cliquer dessus tout de suite. Ouais, bah y a encore du taf hein, pour ta maîtrise de la force. À côté des apparitions et disparitions, vous aurez aussi ça, des structures qui sont là, sans être là en fait. On va revenir à ce qu'est un Jedi, hein, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'on aurait changé la personne derrière la programmation. Ouais, bah je sais pas ce qui est le mieux en fait. Hein. Mais bon, ça résume bien ce que la majorité disent, hein. Un Jedi, c'est quelqu'un qui se bat avec un sabre laser. Bah, du coup, la personne a modélisé le strict minimum. Alors pour le dernier, je vais avoir besoin d'un connaisseur hein, pour être sûr que ce soit bien un bug. Donc, ça se passe pendant l'épisode 4, R2 se balade tranquille, et regardez ce qu'il y a dans le ciel, hein. Un vaisseau de la Fédération du Commerce. Sauf qu'il me semble que la Fédération du Commerce, elle a été détruite dans la première trilogie, donc épisode 1, 2, 3. Du coup, ça voudrait dire problème de timeline dans la réalisation, hein? Partagez-moi vos réponses en commentaire, histoire qu'on soit sûr. Voilà mes petits noobs pour ces bugs sur LEGO Star Wars The Skywalker Saga. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez le mot force en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire les bugs que vous avez rencontrés. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, l'abonnement, tout ça, hein. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant mes petits noobs, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et de votre famille. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.